السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. الفيديو ديال اليوم غادي نخصوها لونغ كومونيكاسيون. Comment proposer, accepter ou refuser une idée. يعني تنقترحوا شي اقتراح، ممكن نقبلوه، ممكن نرفضوه. accepter هي القبول، refuser تكون الرفض. يعني تنقترح واحد الفكرة، إما تنقبلوها إما ترفضوها. بيان. L'objectif proposer, accepter ou refuser une idée dans différentes situations de communication. يعني نتعلمو كيفاش نديرو اقتراح تاع فكرة، ونتعلمو كيفاش نقبلوها ولا نرفضوها. هنا ان سوبور سو فورم دون illustration et un dialogue entre les personnages. عندنا 5 بيرسوناج dans une montagne وهنا لو ديالوج اللي داير بيناتهم. Rachid, nous allons escalader cette montagne. Tu viens avec nous? Et toi, Karim? Oui, pourquoi pas? Non, pas question, Farid. C'est trop difficile pour moi. Tu te dis là? اقترح عليهم الفكرة اللي اقترح عليهم هو تسلق الجبل. اقترحها على من؟ على رشيد اي كريم. رشيد الى اكسبتي يعني قبل الفكره، قال لي وي بوركوا با، يعني علاش لا. مي كريم ا رفوزي، الى دي نو با كيسيون فريد، سي ترو ديفيسيل بور موا، ميمكنش ليا لانه صعيب عليا. Deux d'abord, j'observe et je comprends. Je précise le lieu où se trouvent les personnages. Le lieu où se trouvent les personnages. La montagne. Ce que propose Farid à Karim et à Rachid. Il leur propose d'escalader le Jebel. Escalader la montagne. Lequel des deux a refusé la proposition? Et la raison de son refus, c'est Karim. Karim qui a refusé la proposition d'Akhtarah car c'est trop difficile pour lui. Bien. L'expression employée pour exprimer l'acceptation de l'un et le refus de l'autre. والعبارة اللي استعملنا باش رفضنا الفكرة. في القبول قلنا عندنا وي بوركوا با. في الرفض قلنا نو با كيسيون. واضح؟ لي زيكسبرسيون هي
Oui. Pourquoi pas? Difèche? L'acceptation. Le قبول. Ou الرفض? Non. Pas question. Le refus. Le wa الرفض. واضح؟ ندوزو للصفحة الموالية. صفحة لا باج 98. Je retiens. Pour faire une proposition à quelqu'un, يعني باش نقترحو شي اقتراح على شي شخص, je peux employer. ممكن أن نستعمل. L'impératif affirmatif. Allons faire un peu de marche. Awamitel. Je m'entraîne. On a l'impératif affirmatif. L'exemple. Allons faire un peu de marche. L'indicatif interrogatif. En par ailleurs. Trois. Ici plus imparfait. Et si tu venais avec moi ou bien avec nous? Quatrièmement, le conditionnel de politesse. Ça te dirait, il y en a fini dans le conditionnel, ça te dirait de prendre une tasse de café avec moi? Il y a des paroles نحفظوهم نعرفو كيفاش تنستعملوهم لو بغينا نقترحو لا بور فيغ اون بروبوزيسيون. قلنا من بعد الاقتراح تيكون اما القبول او الرفض. هنا عندنا بعض العبارات اللي تنستعملوهم فاش في القبول بور اكسبتي اون بروبوزيسيون. اون بو اوتيليزي يمكن ان نستعمل جو سوي داكور يعني انا متفق جاكسبت اقبل avec plaisir, bécharaf, volontiers, marhaban, ça me convient, hada yunasibuni, wana, oui. Naqlu ala hada l'ibarat qulna w nhfdouhom bach nstamlouhom f l'acceptation. Bensebba le refus, rafd, pour refuser une proposition, on peut employer. Non. Je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je suis désolé. غادي نتبقوهم مانتونون. جو مونترين اتدرب. جو فورمول دي بريبوزيسيون اون تونون كونت دي سيتياسيون سويفونت اي اون فاريون لي بروسيدي. المطلوب منا هنا هو نديرو اقتراحات على حسب الحالات اللي عندنا. الحالة الأولى ا Ali, veux-tu retrouver son Ali, pardon, Ali veut vous retrouver son camarade dans la bibliothèque et te propose de l'accompagner. Yani Ali bra tlaqa bra ilqa sahbo fi fi lmektaba w qtarh alik bach lmurafaqa dialo trafqo. Yani chnia lعبارة li khasso bo yqol Ali. Yani la proposition qui va dire. Que va dire, pardon. Par exemple, ça te dirait de m'accompagner
à la bibliothèque. Pour retrouver mon camarade. Ça te dirait de m'accompagner à la bibliothèque pour retrouver mon camarade? B. Tu proposes à ton camarade de faire une randonnée à la montagne. Trois ou quatre de l'ibarat. Je fais l'impératif affirmatif. Allons faire une randonnée à la montagne. On peut dire aussi, ça te dirait d'aller faire une randonnée à la campagne, à la montagne, pardon. Ta sœur a une répétition de théâtre et te propose de l'accompagner. On va utiliser le troisième choix ici. Et si tu venais avec moi au théâtre j'ai une répétition à faire. Point d'interrogation. Et si tu venais avec moi au théâtre, j'ai une répétition à faire. Il n'y a point, ou il n'y a point d'interrogation. Je fais le deuxième exercice. Pour chacune des situations suivantes, je formule un énoncé exprimant l'acceptation ou le refus. يعني في كل حالة من الحالات التالية عندنا ثلاثة الحالات غادي ندير عبارات اللي سوا جاكسبت سوا جو ريفوز يعني ترفض او تنقبل. Un marchand refuse de vendre sa marchandise à un prix qu'il juge trop bas. اي واحد البائع رفض انه يبيع لا مارشانديز ديالو البضاعة ديالو لأن الثمن منخفض جدا. ديزولي je ne te vendrai pas ma marchandise à ce prix-là. Désolé, je ne te vendrai pas ma marchandise à ce prix-là. Elle est trop bas. Pour moi. Désolé, je ne te vendrai pas ma marchandise à ce prix-là. Elle est trop bas pour moi. Tu fais la deuxième? Ou bien la situation B. Une personne de tes connaissances t'invite à une fête. Tu acceptes. Avec plaisir,
Je serai très ravi d'être parmi les invités. يشرفني أكون فخور أن أكون وسط المدعوين. La situation c'est, ton camarade te demande de lui prêter ton livre, tu acceptes. Volontiers. Vas-y. Prends-le. Quand je réinvestis, à l'instar de la situation support, l'instar y a à la rare, métal, etc. À l'instar de la situation support, le support, je joue avec mes camarades un dialogue dans lequel l'un fait une proposition, les autres acceptent ou refusent. Il y a un jeu où il y a un اقتراح où il y a un autre qui est refusé ou qui est accepté. On va utiliser les عبارات que je retiens. Peut-être que tout est clair et que vous avez compris cette leçon très bien. Ce que je vous demande, c'est que vous gardiez les expressions de refus et d'acceptation. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.